Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? C'est vraiment une scène, un passage d'un documentaire des années 60 que j'adore. Il s'appelle Chronique d'un été. Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, monsieur, êtes-vous heureux? Parce que cette question, êtes-vous heureux, je l'avais posée dans une soirée à plusieurs personnes. Et la réponse était tout le temps oui. Ce doc-là de Jean Rouch, en fait, il a suscité des... j'ai vu ça sur Internet, dans des écoles de cinéma aujourd'hui, des étudiants qui reprenaient le truc à leur compte et qui allaient voir les gens. Et tout le monde répond « oui, oui, je suis heureux ». Comme si c'était impossible d'assumer, là, pas trop. Il y a une sorte d'obligation de bonheur qui n'était pas là à l'époque. Parce qu'à l'époque, les gens, ils répondent, non. Heureux, puis on sent qu'on va être un boulet pour la société si on n'est pas heureux. Nécessiter le fait qu'on prenne un café avec nous. Okay, il y a une interdiction de mélancolie et qui est globale. N'ayez pas peur, on ne va pas vous faire de mal. Ça dépend ce que vous êtes plus heureuse. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Que vous êtes heureux.